Vous serez face aux socialistes pour ce second tour. C'est un bon score pour vous, un bon résultat? Oui, surtout sur Aix-sur-Vienne où je suis à 45%. Donc ça traduit une politique depuis un an qui porte ses fruits. Et donc j'espère pouvoir mettre cette politique au service de tout le canton. Alors vous êtes un candidat UDI, mais ici vous êtes à la permanence de l'UMP. Est-ce que ça symbolise cette droite unie sur le département de la Haute-Vienne? Tout à fait, le label Uni pour la Haute-Vienne est là pour montrer que nous sommes tous embarqués dans le combat contre la prééminence du Parti Socialiste sur la région. Sur le département. Merci. On vous retrouvera donc écoutez, dans une semaine pour le second tour.